encore beaucoup plus grand que la NBC, si Bizen finit en sanction, comme à la NBC, et au lieu de cela, le scandale continue, banque consommateur continue à payer pour garder sur le SOSTC. Quatrième point, Baudry. Le week-end dernier, moi-même, Ariane Navarre-Marie, Mathis Pagouane, Jean-Claude Barbier, Nico Aruna Salon, et Soulet Choupane, passe deux jours intenses à Baudry. Vous saluez l'intelligence, la sagesse de Van Rodriguez et Rodriguez. Il fut extrêmement enrichissant. Et tout le monde qui nous rencontre, les deux partis politiques, le gouvernement et l'opposition locale, Van Force Ville, l'association touriste, Van Pêcheur, tout le monde qui a rencontré, nous rencontrer. Je dis beaucoup apprécié le fait qu'il y ait une forte délégation, une mini dialogue avec d'autres. Il est même début de solution concernant le tourisme, billets d'avion, les bandes pêcheurs. Il y a un début seulement, il y en a plus loin. Mais c'est surtout autour de la question de l'autonomie qui va le débat in déroulé. Et au Reykjavik, Bizen consolide l'autonomie à Rodrigue et permet qu'il fonctionne en toute liberté et respect. Alors là, je reviens dans les affaires, je vais regarder mon dossier et je trouve que quand nous faisons la loi, en 2002, nous t'inspirons beaucoup de ce qu'il y a à Trinidad et Tobago. Beaucoup de ressemblances, hein? Deux îles pareilles à Trinidad et Tobago. Je rappelle que l'ex-juge Annie de la Cour suprême et mon représentant Rodriguez s'y allait là-bas. Et là, mon pensée nous disait réinspirer. Parce que, par exemple, ça l'idée que, quand il juge nécessaire, le Premier ministre a un droit, capable plutôt, invite le chef commissaire, participe à travaux du Conseil des ministres, du cabinet ici à Maurice. Ça l'idée dans la loi pour Trinidad et Tobago, pour l'autonomie de Tobago. Mais il y a une deuxième affaire qui est aussi dans la loi et qui va nous permettre nous et vite pas lever sans problème qui n'est là. Dans la loi de Tobago, donc, il y a une Dispute Resolution Commission qui est présidée par l'Ombudsman, là-bas aussi, comme à Maurice, c'était un Ombudsman.